Eh ben, salut à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc avant que la vidéo commence, je tiens à vous remercier 1000 fois pour les 40 abonnés. Donc franchement, ça me fait super plaisir. Et pour fêter ça, ah, je présente tout mon matériel incendie que je possède. Donc on va regarder ensemble. Alors, là, j'ouvre le premier tiroir. Donc là, donc dans le premier tiroir, on a plein de déclencheurs. Je vais pas tout montrer parce que je vous ai déjà montré dans les dans mes autres vidéos. Okay. Alors, ce que j'ai dans la main, c'est le capot d'un DM Legrand. Donc celui-là. Donc j'ai pas mal de déclencheurs. Donc on a le def. Ça c'est le déclencheur que j'ai présenté la semaine dernière, le Siemens Cerberus. Je vous invite d'ailleurs à aller la voir, le lien sera en description. Après, il y a du malingérin. Il y a aussi du Nugilec. Alors, DM Nugilec, j'en possède 4. Et malingérin, j'en possède 2. Ici, on a les fines piqûres. Voilà. Dans le deuxième tiroir, on a tout ce qui est sirène. Donc je vais pas vous. Ah, si, peut-être que je vais vous le remontrer, même si je vous ai déjà montré. Voilà. Mes deux Cerberus. Moi, c'est un Nugilec que vous connaissez tous. Donc après ici on a tout ce qui est type 4. Donc pareil, je vais pas toutes les montrer. Ça c'est celle que j'ai présentée le mois dernier. La fameuse type 4 AP, il fait une secure. Voilà. De toute façon, il y aura une vidéo d'IGL. J'ai mon seau rempli avec l'extincteur et les plans. Et aussi, donc attendez, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est ma boîte avec toutes mes clés de réarmement. Ça c'est mes bouchons anti-bruit. Voilà, ça c'est ma pile de volts pour tester mes sirènes. Et ça c'est les docks. Donc il y a différentes docks. On a les docks des DM. La dock pour la sirène. Et ça, la doc de la type 4. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Donc s'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et allez, salut!